Salut tout le monde, je m'appelle Stelars. Yeah. Et bienvenue dans l'épisode 26 des Sims 4. Après 3 semaines, je suis vraiment désolé, mais j'ai eu un gros bouilli de trucs à tout remettre et à tout pousser sur ma chaîne. Alors, on est de retour, et ça faisait quand même un petit moment, et je me rappelle maintenant de notre dernier épisode, et on a pu travailler avec Monsieur l'agent Leonidas. Tu fais des Spartans d'en face de tous les criminels, ça serait génial. Et là, je me demandais, en fait, en ayant démarré cette partie, les enfants vont probablement bientôt grandir. Ah, c'est pas si mal. La moitié de l'enfance. Ils vont bientôt devenir des adolescents boutonneux. Voilà. Qui vont aller à la grande école, commencer à se faire des chums et tout le truc. Et j'avais eu comme projet aussi qu'on allait changer de carrière pour notre personnage. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Toi, t'as ta faim? T'as faim, mon cher? Qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, il traîne sur la table, mais mange-le. Sa boîte à ton fils, dégage! Regardez comment qu'elle est bien élevée! C'est vraiment incroyable! En démarrant les Sims 4, on avait aussi une mise à jour classique. À toutes les fois que je démarre les Sims, il y a une mise à jour. Et qu'est-ce qu'on a de nouveau? Essayez de deviner, devinez! Avec les Sims, quand il y a une mise à jour? Bien sûr! Bien sûr! Une extension pack qui arrive encore. Et je crois qu'il y avait Star Wars. Je suis pas convaincu, mais je crois que c'était gratuit. Si c'est gratuit, probablement une espèce de passe de marketing pour la sortie bientôt du nouveau film de Star Wars. J'ai jamais été fan de Star Wars, mais je dois dire que ce film m'a l'air bien, bien badass. Probablement que je vais aller le voir au cinéma. Ça va être chouette. Surtout que, en plus, j'aurais pas le choix. J'ai quand même construit ce superbe Walker de Star Wars en Lego. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur ma chaîne. Si vous êtes curieux, vous pouvez voir la construction de ce superbe Lego. Bon, alors toi, t'as mangé. C'est super chouette. Là, t'as besoin de divertissement, mais tu joues quand même avec ton enfant. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très important. Alors, on va s'enthousiasmer à propos des solos de guitare. On va partager des idées parce que c'est quelque chose qui est très important. On va débattre sur des stratégies de jeu, se renseigner sur l'école. D'ailleurs, eux, ils seront probablement revenus de l'école, donc ils vont avoir besoin de faire leurs devoirs, je présume. Alors toi, petite fille, est-ce que tu as tes devoirs à faire par hasard? Oui, bien sûr, bien sûr. Allez, tu fais tes devoirs, petite. De toute façon, t'es vraiment à l'ordre. Voilà. Et sur le lit de tes parents, d'ailleurs. Tu sais que c'est à cet endroit qu'ils t'ont conçu. Tu veux pas savoir, par contre, comment t'as été fait? T'es pas encore assez vieille, ma petite. Est-ce qu'on a des personnages qui se promènent dans la rue, quelque chose, avoir un peu de vie, hein? Faut pas oublier non plus que sur ma maison, je n'ai toujours pas de porte. Ça manque de vie? Je te dis que ça manque de vie. C'est ça qui arrive. Oh, putain, non! Il est embarrassé. Ouais, je crois qu'il s'est engueulé avec son fils. Pas assez de contact. Parents. Voilà. Non, mais pas parents, je parle. Il n'y a pas assez de contact non plus avec sa femme, voilà. Mais ça va éventuellement... C'est ça qui arrive quand il y a des enfants, t'es trop brûlé. C'est comme... Waouh! Est-ce que vous croyez qu'il est homosexuel? Peut-être. Je sais pas. Ok, donc là, maintenant, tout le monde est des agents dans cette ville. C'est juste incroyable. Hey, salut, collègue. Bon, bah, pourquoi pas. T'es ma collègue, mais tiens, appelez. Yo! Amène ton cul! Voilà. Et là, quand tu te mets à jaser... Ah, lui aussi, ça doit être le chum de l'autre de tantôt. Je suis convaincu. Présentation amicale. Amène ton cul! Yeah, baby! Yeah, baby! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es embarrassé? Qu'est-ce qui s'est passé? Un sort, un bonbon. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Un bonbon. Qu'est-ce que ça va faire? On va essayer. Si on le fait pas, on le saura pas. Hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça va faire? Tu vas lui offrir un bonbon? Non. Hey! T'es joli, toi! Et t'es vraiment, mais vraiment enthousiaste! Yo, 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 yo! Amène-toi! Non! A-I-A-O-U-Y-Z hot dog! Viens ici! Viens ici! Demandez de passer du temps ensemble. Ouh! Je crois que c'est assez direct comme demande. Hey! Babe! Est-ce que t'auras envie de passer du temps avec moi? Baby! C'est dégueulasse! Ça, c'est vraiment le gros, en fait, là. Tout dégueulasse qui se gagne. Hey, bébé!
T'aurais-tu envie de passer une belle nuit avec moi? Tu vois ce que je veux dire? Excuse, j'ai des problèmes d'estomac. Pis en plus, je fume. Ça, c'est toute l'attirance et le sex-appeal que t'as besoin. Donc, je crois qu'elle a accepté. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller à l'intérieur ici. Oh, nom d'une bite en fer forgé. Elle a terminé de travailler. Excellent. Donc, toi, tu vas en fait faire du travail supplémentaire parce que t'es une bonne fille. Et toi, tu vas faire tes devoirs. Je sais comment c'est tard et... Oui, c'est ça, t'as vraiment envie de dormir. Mais c'est pas grave. Quand on a vraiment un paquet de gens à s'occuper, ça devient incroyable. Donc, toi, t'as faim, pas de problème. Ah, merde, y a de la vaisselle à faire partout, c'est juste incroyable. Bon, ok, je sais que tu viens d'arriver du travail, c'est pas ce que t'as envie de faire, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui est fou? Ok, pas de problème, en fait. On vient de finir de te parler. Fuck off! Fuck that shit! Moi, je fais des redressements ici, direct dans la rue. Une chance qu'on voit pas ça souvent, en fait, même dans la vie de tous les jours. Donc, disons que je fais partager des feux. J'arrive pas à les faire entrer. Appelez. Yo! Voilà! Bon, viens passer du temps à l'intérieur. Voilà, viens faire connaissance. On se fait des amis. Bingo! Moi, être sa femme, en fait, tu fais comme... Ok, c'est qui cette femme? Oui, j'ai parlé dans la rue, voilà. Donc, elle voulait faire des redressements ici. Après, elle est rentrée. Donc, présentation amicale. Hein, on va se faire des amis. Oh, c'est vraiment chouette! Frères et sœurs qui s'entraident avec des devoirs. Et en se chicanant. Parlez-vous correctement! Aidez-vous! Voilà! Ça, c'est une bonne chose! Excellent! Non, non, non. Est-ce que t'es en train de manger? Non, t'es juste devant ton ordinateur. En fait, on va faire... servir le dîner, peut-être? Avec un sandwich au fromage. Non, des tacos au poisson. Pourquoi pas? Oh, yeah! Ça, c'est super. Et là, en fait, ce qui va arriver, c'est que... Toi, on va te trouver une nouvelle carrière. Ça, c'est sûr. Là, lui, il fait absolument rien. Divertissement. T'as besoin de divertissement. C'est cruel. Et on va faire du zapping. Rien de mieux, en fait, pour passer le temps. Ça divertit. Mais quand... C'est juste deux. C'est fou. Toi, Squeezie, je sais que t'es fatigué. Je sais que t'es fatigué. Il est déjà minuit. C'est incroyable. Mais je vais quand même te demander de faire du travail supplémentaire. Ça va être quelque chose de très, très important. Et ta mère va bientôt terminer de faire des tacos au poisson à minuit. Brûlés? Oui, brûlés, bien entendu. Et après, tu vas pouvoir manger. Oh my God, le four a pété! Fuck! Ah, ça, c'est dangereux. Ah, ça, c'est dangereux, par contre. Nom d'une bite. Non! Je vais devenir un adulte. Oh, ça va être sa fête bientôt. Heureusement que j'ai fait quelques rencontres dans la rue, merde. Sauf que là, en bricolage 5, je crois que c'est un niveau assez élevé pour ne pas se calciner et se détruire. Donc, quand tu vas avoir terminé, petit Squeezie... Ah, elle a fait déjà dodo. Est-ce que t'avais faim? Non, ok, je crois que t'avais plus besoin de jouer. Et... Voilà. Est-ce que t'as bientôt terminé tes devoirs? Non, bien sûr que non. D'accord. Toi, t'as déjà mangé? Non, en fait, tu vas aller bouffer. D'accord. Prendre une portion, super. On a vraiment de la difficulté. Je la fais rentrer, elle fait mes vidanges! C'est incroyable. Tu rencontres une personne pour la première fois, tu l'invites chez toi. T'as pas de porte chez toi? Non, bien sûr, c'est open house tous les jours, bébé. Et là, elle rentre dans ta maison. Et comme ça, tu discutes et à un moment donné, elle regarde ta poubelle. Ça te dérange si je fais ta poubelle? Non, ça, y a pas de problème. Et là, t'es en train de compter sa fin de semaine. C'est la première fois que t'as rencontré. Et là, tout d'un coup, pouf, elle prend un essuie-tout et un peu de stuff à laver. Ah, je t'écoute, continue. Wow, t'as vraiment fait ça dans ta vie, c'est incroyable. Je suis juste en train de nettoyer tes murs. Y a pas de problème, ça me fait super plaisir. On est comme ça, non? C'est juste fou, les Sims sont d'un amical incroyable. Donc, tu vas bientôt avoir fini de faire tes heures. Ok, d'accord, là, elle part. Oh, t'aurais pu ramasser la marde que t'as faite sur le balcon, espèce de vieille... Ok, elle était gentille, sauf que ça... Je m'en allais devenir un petit peu trop cru.
Bon, alors le petit, tu vas aller, tu vas te prendre un bon taco, prendre une portion, voilà, et après tu vas aller te coucher. Tu vas aller te coucher. Il est 2h du matin, certes. Ah non, 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 tu n'iras pas te coucher, certainement, petite vilaine coquette, car tu vas aller te trouver du travail. Carrière, trouve un emploi. Do it. Qu'est-ce que t'aurais par hasard sur le marché? Alors, on a détective. Médecin. Et scientifique. Je crois qu'on pourrait prendre un truc quand même plutôt cool et y aller avec, voilà, 18. En plus, scientifique, c'est ce qu'il y a de plus payant. Fuck yeah! Allez, c'est parti. Good. Il faut bien tester, en fait, toutes ces nouveautés qui se trouvent dans le pack que j'ai acheté, merde! Ça, c'est super. Ok, elle a vraiment envie de faire crac-crac. Elle est telle humeur, la coquette! Elle est telle humeur, je te dis! Faire crac-crac avec lui. C'est parti. Je crois que tu vas arrêter de bouffer quand tu vas entendre ce qu'elle a à te proposer, mon cher. Allez, vas-y. Voilà. Ok, va laver. Non, non, non. Va pas te coucher, par contre. Va pas te coucher. Fuck! Fuck! Allez, c'est parti. Ah, toi, t'as envie de pisser, par contre, hein? La graine va te tomber à terre. Ok, pas de problème. Yeah! Bon, oui. Il est parti se coucher à 3h30 du matin. C'est incroyable, ça devient n'importe quoi. Par la suite, tu vas aller au toilette. Ah, t'as réussi, en fait, à nettoyer le four. Ah, c'est des pièces du four qui ont passé à travers le mur. Incroyable. Donc, ensuite, tu vas rechercher des pièces. Tu vas pouvoir ensuite ranger ça, voilà, pour pas que ça pourrit, n'est-ce pas? Et ensuite, aller dormir. Oui, je sais, il est tard, mais je crois que tu commences quand même à travailler plutôt tard l'après-midi, je me rappelle bien. Est-ce que je m'abuse de cette information? Ah! Je suis en congé. Ça règle tous les problèmes, en fait. Ah, et en plus, tu pues. Tu pues. Tu sens la merde. Incroyable. D'accord. Et tu vas jeter ça. Et après, bah, pourquoi pas. Oh non, en fait, tu vas bientôt crever. Ok, lui, il a dit, fuck that shit. Je m'en vais me coucher. D'accord, j'ai compris. C'est lui qui décide. Trop crevé. Bon, la petite, en fait, elle est réveillée, en pleine forme. Ça y est, la journée commence. Elle fait sa traînée de pisse sur le sol. C'est pas grave. Divertissement juste avant d'aller à l'école. Par contre, je crois que ça va être important que tu regardes, pourquoi pas, un peu d'humour. Ça, ça divertit beaucoup plus. C'est drôle, c'est amusant. Malgré que le matin, c'est bon d'écouter des petits bonhommes. Moi, je me rappelais, je me levais le matin et très tôt. Et je ne manquais pas mon épisode quotidien de Dragon Ball. Ça, c'était... vraiment excellent. Y a pas des chaînes. Ça doit être des chaînes pour enfants. Ça doit être des chaînes pour enfants. Ça doit être des petits bonhommes. Ça, c'est excellent. Des dessins animés. On va aller écouter la télévision avec. Entre-toi, sale mur de merde! Non, en fait, c'est vraiment des émissions pour enfants. Y a pas de dessins animés dans ce monde. C'est triste. C'est triste. Voilà. Elle est vraiment jouée. Voilà, c'est génial. Elle se divertit juste avant d'aller... Ah là, en fait, il n'y a pas d'école aujourd'hui. Il n'y a pas d'école parce que c'est samedi. Et en plus, je vous ai fait des heures sup incroyables. Pauvre vous. Oh! Et toi, en fait, scientifique, est-ce que tu travailles? Non! Merde! On ne verra pas aujourd'hui le nouveau travail de notre femme, que j'ai oublié son nom. Faudrait pas qu'elle apprenne ça, en fait, ça serait quoi? Katrina, voilà, Katrina. Je savais, bien sûr, je voulais voir si vous, à la maison, vous le saviez. Ok. Ça, ça va bien de ce côté-là. Lui, un peu moins, parce qu'il pue la merde. Alors, elle va bientôt se réveiller, en fait. Il va avoir une espèce de draft de merde. Le cœur m'a vraiment levé. Oh. Ok, d'accord. Donc, lui, en fait, il va vraiment pas se réveiller bientôt. Elle non plus, c'est quand même pas si mal. C'est célébrer l'anniversaire de Léonidas en organisant une fantastique fête. Et en plus, ça donne quand même plutôt bien parce que... Oh putain, toi, tu vas vraiment tout faire sur le plancher. D'accord. Et tu pourrais aller écouter, en fait, aller regarder la chaîne actuelle. Voilà, tu vas aller avec ta petite sœur.
pour aller t'amuser le temps que tes parents se lèvent, que ton papa prenne une... Ton papa prenne une douche, voilà. Et qu'on puisse célébrer une fête d'anniversaire. Que voilà. Quoi, t'es Ah, bah oui, parce que t'écoutes une belle série. Alors toi, t'es vraiment pas... Tu vas vraiment te réveiller tard. Tu t'es couché tard, je sais, t'as eu une grosse journée. Bon, attendons qu'il se lève. Il vient de tomber à zéro, en fait. Il est au most de la dégueulacité. D'accord? Il pourrait s'enlever des croûtes à la main de sous les bras. Tellement qu'il est dégueulasse. Et bam! Sa fille va prendre une douche. Et à cet âge, les douches sont toujours très longues. Merde. Et Ah! Voilà, j'ai jugé. D'accord? Prendre une douche. Do it! Ça va faire du bien. La tienne va être longue. Non! Tu viens d'aller te laver! Pourquoi tu... Et tu fais deux tas, putain! Maintenant, tu vas ramasser. De toute façon, t'es bien élevé. Tu pourrais aussi aller nettoyer cette assiette qui voilà. Qu'est-ce que tu fais avec ton petit frère? Ah, ton petit frère va aller manger. Oh my god! Oh my god! Bon, allez, on répare. Ça va être ta fête, mais t'as pas le choix, faut que tu répares. De ce côté ici, bon, boum, tu vas aller utiliser ça. Ça a quand même été foutrement rapide, c'est incroyable. Donc, cherche des pièces. Voilà. Et ça a fait... Non, ok, en fait, il s'est téléporté. Voilà, pas de problème. Et tu vas manger un beau petit taco. Le truc qui me fait chier, c'est quand on fait une fête, une fiesta, pour célébrer l'anniversaire de quelqu'un. Il y a un truc, en fait, qui colle pas, c'est que si je fais le gâteau à l'avance, normalement, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, tu fais un gâteau à l'avance, n'est-ce pas? Mais dans le jeu, si tu le fais à l'avance, le fait d'avoir un gâteau ne compte pas. Donc, tu peux pas, t'es obligé de faire un gâteau pendant que les invités sont là, et je peux vous jurer que c'est pas quelque chose d'évident. J'ai jamais réussi à faire une fête réussie. Ça, c'est de la merde. Bon. Toi, t'es en train de manger. Super. Non, en fait, c'est elle qui est en train de manger. Toi, tu vas devoir aller aux toilettes juste après. D'accord. Pas aux toilettes. Dans la douche. Super. Prends une douche. Toi, c'est bien. Toi, y a pas de problème. T'as faim aussi, mais bon, c'est pas grave. Ah, ben voilà. Tu vas finir l'assiette de ta femme. Ça va être parfait. Vous allez chacun avoir votre part. T'es qui, toi? T'es qui, toi? Salut! T'es apparu dans ma chambre? Il faut croire. Bah! Toi, t'es un player, Squeezie. Tu vas parler... Invité à entrer. Je crois qu'elle est déjà dans la maison. Mais, d'accord. Salut, t'es déjà dans la maison, mais... fais comme chez toi. C'est ça de pas avoir de porte devant. Mais elle a compris, en fait. Elle s'est dit, tiens, il n'y a pas de porte. Pourquoi pas aller faire une petite visite? Et présentation amusante, voilà, pourquoi pas. Alors, c'est parti. Maintenant, on organise notre fête, notre fiesta. Et on va voir si je peux la réussir. Fiesta, ici, voilà. Et comment je fais, en fait, pour... organiser une fête? Ici? Déménager foyer, aller... Prendre portrait, prendre photo... Ah, en fait, ça, c'était nouveau. Prendre photo avec... elle. D'accord? Et je crois qu'il y avait... Ah, non, d'accord. Oui, c'est ça! Ça, c'était nouveau! On pouvait maintenant vraiment voir le décor, et il y avait des fonctions, en fait, qu'on pouvait ajouter. Ça, c'est cool! Et je crois qu'il y avait même des appareils photo plus performants qu'on pouvait acheter. Ça, c'est chouette. Yeah! Donc maintenant, si je vais ici, qu'est-ce qu'on a? Oh! On a même des effets de filtre! Ça, c'est super! Et bientôt, ils vont intégrer Instagram. C'est juste ce qui manquerait, en fait. Et voilà, bam, t'as ta vie des Sims sur Instagram. C'est plutôt chouette! Yeah! Donc, on va y aller, pas de filtre. Ici, on peut même désactiver le flash. J'ai aucune idée c'est quoi la différence, en fait. Changer l'orientation et prendre la photo. C'est plutôt cool! Belle update! Ça, c'est génial. Qui sonne? Qui sonne? Julien souhaite venir passer du temps. Do it! Tu vas déjà être à la maison pour faire notre... Ah, ok, cool! Excellent! Bon, maintenant, j'aimerais célébrer la fête de ce mec. J'ai eu un avertissement tantôt. Est-ce que je peux le revoir?
Non. Non, non, ça c'est pas ici. Voilà. Célébrer l'anniversaire de NES en organisant une Fantastic Fête. Ok, d'accord. Donc, on doit aller ici. Téléphone. Organiser un événement social. Excellent. Boom. Excellent. Fête privée, mariage, fête d'anniversaire. C'est parti. Ça me coûte 100$. Ça, c'est pas du tout un problème. Do it. Donc, alors voilà. Cliquez pour inviter un Sim. Le Sims célébré. Alors évidemment, c'est moi. Super. Ensuite, des invités, au moins deux. Ah, cette fois-ci, on a quand même plus de copains. Ça, c'est génial. Bon, évidemment, mes enfants, je peux pas les inviter. Et lui, c'est fou comment je m'entends bien avec. C'est vrai, hein? Il me semble que j'avais eu une baston avec lui, ou je me trompe. Donc, bam, 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 bam. Et même si je l'aime pas, c'est pas grave, ça va faire une fête endiablée. Super. Donc, on les invite tous. Un traiteur. Qu'est-ce qu'on a comme traiteur? Évidemment, de la bouffe, c'est toujours très important. Lui, le bûcheron des bois. Voilà, pour qu'il n'y ait peut-être pas une chemise carottée, mais ça, on s'en bat les steaks. Un mixeur. Recruté pour ce rôle. J'ai aucune idée, on va faire un. Voilà. Et un artiste. On y va avec la totale. Bam! On en prend un. Ça va être une putain de fiesta. Ça va être incroyable. Et voilà, on va faire ça dans la résidence, carrément ici, ça va être super. Bam! Do it! Ha ha! Objectif principal, souffler des bougies. Alors, ok, c'est parti, le temps que les invités ne sont pas arrivés, on va préparer des pâtisseries. C'est un gâteau, je vais faire putain de merde. Cuisiner. Voilà, un gâteau au chocolat, je sais pas en fait si ça prend un gâteau d'anniversaire. Gâteau blanc. Pff, on va faire un gâteau de chocolat. Et en plus, ça va être ma femme qui va faire ça. Ça va être n'importe quoi. Donc, manger de la nourriture. Il faut au moins que des invités aient mangé 4 de nourriture. Faire en sorte que les Sims deviennent joueurs en même temps. J'en ai déjà 2. Ça doit être probablement mes enfants. Et je dois raconter des blagues. Qu'est-ce que tu fous sur ton ordi, putain de merde? Allez, vas-y. Tu vas aller raconter une blague tout de suite. Embrasser des mains. On se calme quand même. On se calme, putain. Alors, s'extasier. Putain, c'est quoi? T'es super homo aujourd'hui? Alors, voilà. Drôle. On y va raconter une blague sur les mimes. Do it! Yeah! Il y a plein de gens! C'est super! Ok, il y a un party dans les toilettes. Ok, c'est ça qui est difficile. Tu te fais accrocher de partout. T'arrives pas à faire un truc. Excellent. Ok, c'est parti. Plus de choix. Drôle. Raconter une blague sur les martiens. Excellent. Donc, paf, paf. On arrête. Allez, allez. Est-ce que toi, t'es arrivé à faire le gâteau? Est-ce que t'es arrivé? Non. Ah, putain, occupe-toi du gâteau, merde! Allez, 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 allez! Yes! J'ai réussi à raconter une blague. Excellent. Ta gueule, ta gueule, ta gueule! Allez, allez, allez! Prépare le gâteau! Arrête! Arrête! Ah! Il est déjà en train de se préparer. Ok, super. Excellent. Objectif principal. Faire en sorte qu'un adulte porte un toast. Comment je peux faire ça? Comment je peux faire pour porter un toast? Embrasser, se vanter de la famille, un bonbon qui reste demandant en mariage, donner un coup de hanche, plus... Ah, fuck, fuck, fuck! Ok, attends, est-ce qu'on peut préparer quelque chose? Servir, dîner, cuisiner, préparer? Est-ce que je peux vraiment préparer des drinks? Ou je dois demander au traiteur? Ça, c'est le traiteur, lui? Plus de choix, faire un sort, demander de partir, non, embrasser, non? Fuck! Il y en a un qui a allumé les bougies. Non, on s'ouvre pas tout de suite. En fait, la fête est encore plutôt... Est-ce qu'elle est jeune ou c'est le truc ici qui monte? Temps restant, 3h54. D'accord. Donc, manger de la nourriture. Ok, c'est parti. Donc, ok. Ah, c'est le traiteur. Il est en train de faire de la bouffe. Super. Et le traiteur colle ses choses. Come on, fuck. Incroyable. Il y a vraiment plein de gens. C'est une super fiesta pour le moment. Mais là, il y a juste les drinks que j'ai aucune idée comment on fait. Alors ça, c'est vraiment un problème. Ok, c'est parti. Donc, prendre une portion. Tout le monde vient manger, s'il vous plaît. Super. Donc, prendre une portion. Excellent. Est-ce que tout le monde pourrait se prendre un plat et bouffer? Ça serait quand même plutôt génial. Yeah! C'est ça. Mangez tous. Mangez tous. Ça va être super. Et on va essayer à la fin. Allez, deux. Encore. Allez, on y est presque. Come on, come on, do it, do it!
Super! Excellent. Maintenant, si j'ai envie de préparer, par exemple, faire une recette spéciale, cuisiner, pas réparer, merde, c'est quoi, le frigidaire est foutu? Le frigo est... Oh, yeah! Excellent! Un petit coup de plus. Mais c'est foutrement difficile! Mais si je chauffe les bougies, putain, je vais devenir plus vieux. Ok, on s'en fout. Donc, célébrer, c'est parti. Mais non, c'est pas toi qui célèbre, c'est lui, en fait. Allez, do it! On célèbre! Allez! Tout le monde s'approche, tout le monde s'approche, je vais célébrer! Tout le monde s'approche, célèbre! Allez! Merde, j'arrive pas à célébrer! Célébrer! Yay! Yeah! Je suis toute seule, y'a personne qui m'aide! Ah, d'accord, y en a un qui a vieilli aussi en même temps, c'était sa fête. Super! Célébrer! Est-ce que je peux faire un vœu? Voilà. Goûter de glaçage, enlever les bougies, mettre dans l'inventaire, goûter de glaçage, souffler les bougies, goûter de glaçage, pourquoi pas? Allez, 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 allez! Il est triste en plus, parce que sa vessie va bientôt exploser, mon ami. Oh! Allez, 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 allez! Célébrer! Arrête, 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 arrête! Vite! Souffle les putains de bougies! Ah, merde! Je manque tout le temps mes anniversaires, c'est dégueulasse! C'est impossible, tu te fais tellement accro... C'est quoi ça? Waouh, il est tellement heureux, super, j'ai une fête, yeah, oh my god! Pff. Oh waouh! Bon ben! Je suis vraiment déçu! J'ai mangé mon gâteau étant super triste et m'apitoyer sur mon sort et pleurer. Incroyable! Bon, et en fait, c'est qu'il va bientôt chier sur sa chaise. Allez, 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 vas-y, c'est parti. Fais ses premières découvertes à la notée d'unité qui pourrait permettre de créer un conservatoire. Écrit sur un bouton carnet en haut du téléphone pour en savoir plus. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas le truc, en fait. Il y a un truc que j'ai loupé, en fait. C'est quoi le truc? Ah bon? Bon, ça va. Il fallait juste qu'il y ait aux toilettes. Mais vous avez vu, merde! J'ai même pas réussi. Pourquoi? C'est quoi cette idée? Qu'est-ce que ça donne? Je suis trop curieux. C'est quoi ça? Concentré, non? Eureka? Oui, en fait, c'est ça. Non? C'est quoi ton ampoule? C'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'en ai aucune idée! Ah! Et voilà. Donc, mon Sims a un peu vieilli. Le frigidaire est foutu. Super. Donc, on fera ça dans le prochain épisode. C'est venu un vrai foutoir. Ah! Oh, j'ai jamais été capable de faire des bons anniversaires, mais t'arrives pas à te déplacer. T'arrives pas à rien faire. T'essaies d'aller manger ton putain de gâteau, tu te fais accrocher partout, ton personnage n'est même pas capable de se rendre au gâteau, tout simplement. Tout le monde bouffe, mais vous avez vu les objectifs? J'avais même pas comment qu'on fait un toast. Je veux dire, il me semble que j'ai pris tous les services possibles, mais j'ai aucune idée. C'est incroyable. Je vais devoir prendre des cours sur comment faire des bonnes fêtes bien réussies. Parce que là, honnêtement, je vais tous les manquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un de couché dans le lit? Ma femme est allée se coucher? Fuck! Ah. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un like. Regarde dans la description, il y a un paquet d'informations. Abonne-toi si c'est pas fait. Partage à tout le monde cette série, ma chaîne. Bref, ça fait toujours plaisir de se faire connaître un peu. Parce que là, en ce moment, bordel qu'on a un gros ralentissement incroyable sur la chaîne. Mais on espère toujours que ça va remonter. Mais pour l'instant, je suis toujours extrêmement fier d'avoir atteint les 50 000 abonnés. Sinon, suivez-moi sur Facebook et Twitter pour ne rien manquer. Et voilà, visitez mon site web ou www.steelers.com. Il y a un paquet de trucs. Va voir, il y a un paquet de trucs. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime. Bye bye!